Shut up and sit down. Bienvenue à toutes et à tous pour cette petite vidéo où on va ouvrir la boîte d'un jeu qui va bientôt sortir au mois de mai. Et c'est ça, c'est un jeu qui s'appelle Crime Express, l'enquête dont vous êtes le héros. Et la boîte, première boîte, c'est Mort Assassiné. Vous remarquez le jeu de mots, c'est bien trouvé. Donc, qu'est-ce que c'est que cette boîte? Eh bien en fait, ça va être une soirée enquête, ou murder party, que vous allez pouvoir jouer. C'est clé en main. L'avantage, c'est que l'organisateur va pouvoir aussi participer activement et entièrement au jeu. C'est un jeu qui est prévu pour 2h30, donc il faut bien préparer. 6 à 7 joueurs. Alors en fait, il y a une configuration à 6 joueurs avec un seul enquêteur. C'est un peu plus difficile. Et la configuration à 7 joueurs amène donc 2 enquêteurs et c'est un petit peu plus facile. L'âge, bah, on va dire que c'est à partir de 16 ans, parce que en fait, c'est quand même une enquête policière. Okay. Ça va coûter 24,90€ et ça va sortir courant du mois de mai, donc très bientôt, au moment où je tourne cette vidéo. Alors on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, bah, il va y avoir la notice de jeu, c'est-à-dire, bah, ça c'est à donner à celui qui va recevoir chez lui, hein, parce que comme on a dit, c'est une soirée enquête. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a le droit, qui sont les personnages, quelles sont les différentes règles. Ça répond à toutes les questions, c'est vraiment bien fait. Voilà. Ensuite, on va avoir le guide du parfait enquêteur. Donc là, c'est bien indiqué, ici, que ça sera laissé à disposition de tous les joueurs sur une table ou un guéridon ou une chaise, comme vous voulez, tout au long de la partie. Donc, on va parler des constatations sur les lieux, ça va parler de la balistique, des drogues et des poisons, voilà, c'est plein de petites aides de jeu. Ensuite, on a le matériel pour l'inspecteur. Donc, chaque joueur va avoir en fait une double page comme ça, enfin. Qui va s'ouvrir, donc là c'est pas ouvert, avec toutes les informations à l'intérieur. L'inspecteur il a en plus lui un petit mémo. Donc voilà, ça c'est le matériel pour l'inspecteur. Et puis en fait chaque joueur va avoir donc ce petit document avec les objectifs, etc. Je t'en donne pas trop plus, et avec la mission secrète qui est cachetée aussi. Donc pour chaque joueur il va y avoir tout ce matériel qu'il faudra bien sûr au préalable envoyer aux joueurs quelques jours, quelques heures, mais quelques jours c'est mieux, avant le début de la partie. Donc je vous passe, hein, y a plusieurs personnages, hop là, haut en couleur. Voilà. Les missions secrètes, etc. Alors, pièce à conviction, encore un petit truc à décacheter. On va avoir des indices qui vont arriver pendant la partie. Et puis, on a du matériel aussi qui est assez sympa. Donc, on va avoir des coupures de journaux pour créer du jeu. Recto verso, il y a plein de trucs dessus. Il y a aussi, hop là... pareil, un document spécifique. Là, apparemment, c'est un office notarial. Je sais un petit peu plus, parce que c'est... ça, c'est l'adjoint, hein, quand vous jouez à 7. Et enfin, vous avez le livret solution. Bah, là, c'est à pas ouvrir hein, tout de suite, effectivement, vous en doutez. Mais à la fin du jeu, comme pour un jeu d'enquête, en fait, on va tout vérifier, tout révéler. Donc voilà, je répète, donc ça s'appelle Crime Express. De la société, donc de l'éditeur Crime Express, ça sort au mois de mai, et il y aura une prochaine boîte normalement qui va voir le jour, qui s'appelle La Malédiction de Basse-Tête. Ça sera plutôt années 70, Alpes Suisses et Égyptologie, en sachant que celui-là on est plutôt dans les années 20,
dans une petite ville de province qui s'appelle Sassinay, et on va dire que, y a une question, d'héritage familial. Voilà, je vous remercie, jouez bien et à une prochaine.